Bonjour tout le monde, ici Malon Daniel et bienvenue à un live sur DigiWave TV. Oui, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, je suis bien content de vous voir aujourd'hui. On est juste en train d'attendre avec le Panthéon. Ça me tentait de montrer le Panthéon, pourquoi pas, j'ai le setup ici pour montrer le Panthéon. Donc le voici, en toute sa beauté. Il manque une coupe d'affaires, comme j'ai mentionné plus tôt, mais bon, c'est le même que c'est. Donc, avec le Panthéon, j'aimerais ça juste que vous me confirmez que vous pouvez bien m'entendre avec le micro et aussi que vous pouvez entendre, il y a de la musique qui joue en ce moment. C'est la musique du jeu. Aujourd'hui, on va jouer à Murdered Soul Suspect, qui est un jeu de meurtre et mystère, où ce que nous-mêmes, on est mort. C'est nous qui meurs, et ensuite, parce qu'on est mort, on devient fantôme, et on doit trouver c'est qui nous a tués. Ouais, c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. D'après ce que je peux voir dans le chat en ce moment, tout le monde est en train de dire que oui, ça fonctionne bien. Donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le jeu. Je vais venir au jeu ici. Ouh. Et puis, j'ai commencé un petit peu juste pour tester le jeu, mais vraiment, j'ai pas joué. Donc, ça devrait être une aventure, devrait être quand même assez intéressant. J'espère que c'est assez fort. Devrait être assez fort. Tout le monde dit qu'on m'entend parfaitement, puis tout. Donc, parfait. On va faire une nouvelle partie. Puis, on va voir exactement c'est quoi cette histoire de Murdered Soul Suspect. Allons voir c'est quoi. Écrasé, oui, parce que j'ai absolument rien fait dans l'autre. Salem. Bon. Il y a des chutes dessus. Je sais pas s'ils vont être trop petits. Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de... Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information de l'État. Ce dessin a été retrouvé par la police. Ce dessin d'une cloche. Plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. T'as pas de l'air à ça. Ok. Donc, quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Ouais. Oh. Ça, je pense, c'est nous. Et puis, ça va pas bien, notre affaire. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. C'est pas... Ça fait penser à un film. Oh! Un jour, on arrête un type et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Aïe aïe! C'est rough la patente, non? Ça, c'est. Il est en train de mourir, là, hein? C'est ça, là? Reconnu coupable de deux vols de voiture. Ben là. Vol qualifié et agression à main armée. Il est plein de tatous. Salut! Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Oh! Je le veux. Oh oui, je le veux. Oh! Oups! Non, je viens. Reste avec moi, tu m'entends? Je viens. Bon, Julien est mort. Vous avez dû, doit écouter cher de tatou. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Ces tatous me font penser à Ace dans One Piece. Oh, c'est méchant. Ah! On a-tu fini, là? On va-tu pouvoir jouer un petit peu à un jeu? Comment j'ai fait pour survivre à ça? Ah, t'es solide. T'es un gars dans un jeu vidéo. T'es pas supposé de mourir. T'as le droit de garder le silence. Ok. On est dans le jeu! Avancer, tu sais, WASD pour avancer. Tu retrouveras pourtant Colline. Parce que je veux pas parler pendant qu'il parle. Je peux pas bouger la souris. Je peux pas vraiment aller à gauche ou à droite.
reculer, je peux juste aller par l'avant, donc on va. Ah ouais. Ça a l'air d'avoir pas mal. Ah ouais, Tattoo Man, on dit dans les commentaires. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Puis j'aimerais aussi avoir le pouvoir magique de pouvoir faire apparaître des tatous. Comme ça, ce serait cool. Me semble. On a-tu E pour ouvrir? E. Désolé. Ouvrez. Quoi? Toucher la porte? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est? Ok, C'était quoi ça? Oh! Ah! Wow! Spécial, cette madame-là. J'avais oublié. Je suis mort! Ouh, c'est mon frère jumeau! C'est peut-être mon frère jumeau. Ah, faut que je me touche? Ok, attends un petit peu. Attends. Oh! Je suis encore vivant! Je suis vivant. Ouais. Il est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Qu'est-ce qu'il fait là? Revenir. Ok. Ah, là, faut que je me. Ok. Tac. Faut que je mette mon bras dans mon bras. Ok. Faut que je mette ma tête. Il est pas capable de faire ça lui-même? Ma tête dans ma tête. Ma tête. Ma tête dans ma. Ma tête dans ma tête. Hello? Ok. C'est un petit peu. Ah oui, ah oui. Ah. Allez. Quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Souffle x3. C'est le méchant. Regarde sa face. Si tu peux y voir la face, ça va comme faire qu'on a même pas besoin de jouer au jeu. Oh. Non, mais on est déjà mort. Ah, ça explique le logo. Puis là, on est en train de devenir gris. Non. Bon. Es-tu dans la matrice? C'est pas. C'est une longue introduction. Y a pas. J'ai pas fait grand-chose à date sauf pour me toucher et essayer de rentrer dans mon corps. Qui sont deux choses vraiment étranges à dire. Il est mort, fin du jeu. Oh! C'est ma femme? Femme! C'est quoi son nom encore, Julia? Julia! Cours vers la lumière! C'est toujours bon ça. Cours vers la lumière! Oh! Hey! Comment ça va? J'arrive pas à le croire. Ben, on va peut-être. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. Oh! C'est pas vrai. Ben oui. Julia. Je suis un petit peu guéri par contre. Je croyais que je te reverrais jamais. Bon. T'as l'air en forme. Sourire. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Oh. Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Qu'on soit à nouveau ensemble, mais. Quoi? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont? Quoi? Quel pont? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Ok. Il faut que tu avances. Y'a où le pont? Que j'avance. Et c'est là que tu es. T'en fais pas pour moi.
Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. Trouver c'est qui le meurtrier. Pas beaucoup de temps, réfléchis. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y. Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, ne fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non. Non, Julia, non. Mais merde. C'est un fantôme, de toute façon. Allô? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il est déjà mort. Ben oui. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup de sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Ok. Pour parler. Et toi, est-ce que tu m'entends? Pour pas... Benerson. Madame, s'il vous plaît. Y'a pas personne qui m'entend. Je suis un fantôme. C'est vrai. Je suis comme... les posséder. Ouh. Hé, hey, toi. Hé, hey, tu m'entends? C'est la petite fille de la famille des Adams. Ou la Adams Family. Oh, je suis encore tiède. Bon, ok, je peux bouger à la tour. Ah ouais? Puis? Je peux bouger à la tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? M'abriter ou quelque chose? Ok, moi je devine qu'il faut que j'aille par là. Je vois dans les commentaires. Arrête de parler, madame. J'essaie de parler aux gens qui sont dans les commentaires. J'ai pas idée qui est en route pour Montréal, donc... pas de problème. Non, tais-toi. Pas de problème. Voyons voir ici si ce qu'on... Traverser, un fantôme peut traverser. Ah, ok. Hey. Reviens ici, petite fille. Oh, ça c'est étrange. Da-na-na-na. 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 On suit la petite fille qui vient de disparaître. Elle vient mettre quelque chose dans le chemin. Je peux pas passer à travers. Da-na-na-na. Tiens, ok. Pourquoi tu t'es enfui? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Boy. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non? Fonctionne? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Ah, puis là, je peux poser des questions. Qu'est-ce que tu entends par talent? Qu'est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que t'appelles mes talents? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Ok. Les qualités deviennent des pouvoirs. Pourquoi je ne peux pas traverser tous les obstacles? Le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Hein? Comment ça se fait? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite. Tu verras. On peut pas traverser les affaires qui sont bleues. Nouvel indice, pouvoir de fantôme. Information, c'est quoi ça? Mes compétences de vivant sont muées en poule de blague. Ok, je m'en fous. Wow, indice. J'ai pas de souris ou rien, donc je peux pas vraiment sortir de... 1, 3... Oh! Ici, vous pouvez consulter votre collection d'objets rares. Ok, ça a l'air un petit peu plus fancy que je pensais, ce jeu-ci. On va sortir de là. Ne sois pas timide. Dis-moi ce que tu veux savoir. C'est quoi le numéro de loterie? Comment je pourrais me retrouver prisonnier ici? Qui es-tu? Ça fait longtemps que t'es ici, non? Moi? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Ou d'autres pourraient te le voler. Ok, j'ai-tu fini de te parler? Comment je pourrais voler mon propre avenir?
Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper? Tu as quelque chose à résoudre ici. Oh, ça va déjà, ça. Ça ne sera pas fait. Tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. C'est-tu arrivé à toi? C'est dingue. Dingue. Un drôle de mot, ça, dingue. Ok, les autres? Quels autres? Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Oh, il était supposé dire autre chose, puis il n'a pas eu la chance. Menace démon, donc. Oh. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. Ouais! C'est le seul moyen de partir d'ici. Puis à un moment donné, on va pouvoir commencer à jouer au jeu. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Hé, mais attends! Il faut que tu m'en dises plus! Ben là, on nous a parlé assez, là. Oh! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre? Ok. Donc ça, c'était le fun. Ok. Je vais-tu avoir un moment à moi-même? Oui. Ok. J'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a demandé, y avait-tu un sondage de quelque sorte? La réponse, c'est oui, mais c'est sur YouTube. Si vous allez voir la vidéo qui annonce le live, je pose une couple de questions vers la fin. Je suis curieux à savoir, genre, c'est quoi vous pensez de ce qu'on joue, puis c'est quoi vous voudriez voir, puis tout. Puis je pense que quand je passe à travers quelque chose, s'il y a de la glu, c'est ça? Il y avait de la glu là-bas. Tu vois, il y a de la glu là-bas. Pour quelle raison, toi, il n'y a pas de glu. Ok, je sais pas, on va suivre. This way to street. On va suivre la flèche. La, 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 la. J'ai aussi vu que j'ai pas idée, est venu et a dit bonjour, mais qu'il pouvait pas... Je peux pas passer par là. Vous pouvez pas rester, donc bon voyage, j'ai pas idée, qui s'en vient à Montréal. Dou, 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 dou. Je viens de recevoir un sac de... Tu vois, ici, il y a des affaires aussi. Je peux-tu passer ici? Ah, je peux. Oh! Aller ville ou retour? Allez. Voir son propre cadavre étendu dans la rue, c'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet. Ben, évidemment, toi, t'es l'original, puis ça, en face de toi, c'est le reflet. C'est-à-dire, il est mort. Oh! Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Il va mettre mon chapeau. Hey! Des renforts? Tu me prends pour un bleu? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. C'est pas moi, ça? Bon, ok. Hey, Baxter! Hey! Hey! Tu te calmes. Tu interroges le témoin. Ouais, Baxter. Ouais. Et c'est moi le débile. C'était qui, l'autre gars, là? C'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Ok. Ça veut dire quoi, demain, ça? Demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Ouais, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... C'est comme mon frère. Prenez le temps que vous voulez, lieutenant. Ben ouais. Donc, faut que je travaille avec mon frère pour découvrir c'est qui m'a tué? Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meurs. Eh, fais-moi plaisir, l'escroc. Dis à Julia qu'elle me manque. On peut pas, parce qu'elle veut pas... Elle le sait, Rex. Elle le sait. Non, mais tu y as pas dit. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Ok.
Ok, peut-être qu'on va pouvoir jouer au jeu. Retrouver la piste du tueur. Je dois examiner tout ce que je peux pour en apprendre le plus possible. Démarrer l'enquête. C'est pas vrai, ça. L'homme était déjà couché. Ça pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Ok. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Ok, bon, finalement, on va commencer le jeu. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de disparaître et revenir parce que ça l'a buggé ou quelque chose. Il y en a pas de problème. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, je suis tombé de la fenêtre en haut là, je suis atterri ici et je suis mort. Et ensuite, il y a quelqu'un qui est venu, puis il l'a tiré. Le récent, pourquoi j'ai des spots jaune-orange qui me volent dans le dos de même. Là, ça a l'air comme s'il faut que je inspecte la scène de crime où ce que je suis mort, puis je dois trouver 8 indices. Donc, on va commencer avec l'indice numéro 5. Parce que c'est de même, ça fonctionne. Tué par mon propre flingue. OK? Bravo. C'est vrai, je savais déjà ça. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de regarder là. Brisé, c'est dur à voir, mais ça dit brisé. Indice 2, éclat de verre. Encore, je savais déjà ça. Tueur sadique. Ouais, ok. Mon arme de secours. Que le tueur a tué pour me tuer. Non, que le tueur a utilisé pour me tuer. Oh, ma cigarette. Ma dernière cigarette. Que pour quelque raison... Si je me trompe pas, j'ai encore. Je l'avais pas encore dans ma bouche ou quelque chose. Ok. Il me reste 3 indices. Je pourrais posséder le monsieur ici ou posséder lui. Je vais posséder le policier. R. Oh. Là, je peux lire dans les pensées. Ronan, c'est dingue. Je peux pas regarder. C'est tout? Ok. Je peux garde son calme. La police doit garder son calme. Ok. Ronan, c'est dingue. Là, tu veux juste... Répéter la même chose. Ok, on va posséder lui. C'est quoi que toi tu penses? J'en reviens pas qu'il y a un cadavre juste là. Ouais. C'est tout? Je suis content de pas être flic. Ok. J'en reviens pas qu'il y a un cadavre juste là. J'en reviens pas qu'il y a un cadavre juste là. Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre que je peux posséder? Oh, je pourrais posséder la madame. Peut-être que je peux la faire faire quelque chose de drôle aux nouvelles. Qu'est-ce que je fais dans ce coin, mon homme? Vivement que je sois transféré à Boston. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Boston? Pourquoi refusent-ils de parler? Un peu de publicité ne leur ferait pas de mal, pourtant. Ouais. C'est vrai, ça se passe aux États. Ok, ça de là, je peux-tu rentrer dans le corps de la madame? C'est en train de devenir n'importe quoi. Non. C'est tout? Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? De quoi, des policiers? Je sais pas. Ok. Continue, j'ai encore 3 indices à trouver là. On va posséder ce gars-là. Possède. Voyons. Possède. Possède. Ouh, je peux faire voir. T. Voir au travers des yeux des vivants vous permet d'obtenir d'importantes informations et d'avancer dans l'enquête. Ouh. Ok. Qu'est-ce qu'il a découvert sur l'assassin? Apporter le rapport de police scientifique. Le scientifique. Locataire disparu. Cassandra Joy a disparu. Les armes retrouvées appartenant à... Donc ça, c'est probablement important. Résident disparu, c'était sûrement elle qui habitait dans l'appartement. On va dire que ça, c'est l'information la plus pertinente. Besoin de plus d'infos sur son meurtre. OK. Je veux dire, le reste, je le savais. Est-ce qu'il faut que je... Ça, c'est-tu important, ça? N'est-ce pas... Je sais pas si vous pouvez entendre. Ramsey, il ronfle. Ok, on va sortir de là, on va aller faire autre chose avant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Toi ici, qu'est-ce que tu fais? Si je parvenais à la calmer pour qu'elle puisse se rappeler. Ok. Fais preuve de patience. Elle est sous le choc. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de scène. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de scène. Ok, je peux-tu posséder la madame? Ouh, suggérer. Ouh, qu'est-ce qui pourrait l'inciter à parler de ce qu'elle a vraiment vu? Mon flingue, l'éclat de verre, le fusil, le corps, la cigarette. Puis il y a 2 choses que j'ai pas encore découvertes. J'ai aucune idée.
Le corps est bleu foncé, les autres sont bleu pâle. J'ai vraiment aucune idée. On va essayer mon corps. Ma mort. Tabassé, jeté par la fenêtre, puis abattu, ce tueur mystérieux voulait vraiment ma mort. Oui. Je n'ai pas le bon indice. Bon, ok. C'est beau. Elle a complexe. Est-ce que vous avez des affaires ou est-ce que c'est juste écouter vos pensées vous aussi? Oh! Quelle nuit, hein, Robinson? Ouais. C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il venait faire ici? Se faire refroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur entrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam, 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 bam. Ouais. 7 balles dans le buffet. Ouais. À bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter? Non, mais t'as vu ses tatouages? Tous ces trucs de gang et de dollars? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Ouais, je suis pas un fan de Baxter. Baxter. Toi, il y a rien que je peux faire. Suggestion. Votre capacité à influencer le témoin dépend des indices en votre possession. Ouais. Mais là, t'as un peu tab pour indice. Affaire non résolue. Menace de démon. C'est quoi cette affaire-là, là? Ok. Je sais pas trop. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Le meurtrier ne reviendrait pas sur les lieux, si. Je parie que ça a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Le meurtrier ne reviendrait pas sur... Peut-être qu'il est alentour. Toi, tu penses quoi? Incroyable. Et pourtant, il est là. Juste sous mes yeux. Il s'est passé quoi depuis blablabla? Heureusement que je n'étais pas là quand ça s'est produit. Ok. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? À quoi bon? Toi, c'est quoi tu fais au téléphone, madame? Je peux prendre des photos? Quand je parle de ça, les autres croient que je suis dans un film. C'est à propos de toi, madame. C'est tout à propos de toi. Ok, il me faut deux autres indices pour être capable de sortir de cette affaire-là. Peut-être que pas tous les indices sont marqués comme 1, 2, 3, 4 ou je sais pas trop quoi. Je peux-tu rentrer ici? Je peux pas rentrer là. Il faut que je trouve une nouvelle piste. Je sais que la madame... Toi, y avait-tu autre chose dessus la patente là qui est important si je fais voir? Les armes retrouvées appartenaient... C'est important, ça? Ah, je devine c'était important, mais je le savais déjà, mais ok. Donc là, peut-être que je peux venir voir la madame. Suggérer... Ok, j'ai tout découvert. J'ai-tu tout découvert? Donc là, il faut juste que je fasse la madame parler. Arme du tueur. Crieur des morts. Ça, ça a l'air important. Je suis venu ici en réponse au coup de fil d'un témoin qui affirmait avoir vu le crieur des morts dans les parages. Oh! Oui. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut le quatrième étage, je crois. Yay! Je sais pas trop c'est quoi ça donne, mais j'ai 8 de 8 indices!